Salut à tous, c'est Boris du 7-3 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Une vidéo sur notre bon vieux let's play de Hype the Time Quest. Et nous allons donc péter la gueule à ses gardes. Puis voilà, c'est pas mal. Juste le temps de me remplacer. On va les finir, écoute. Bon, tant pis. Donc j'ai recommencé là il y a à peine quelques instants. Non mais tu dégages. Non mais tu dégages, j'ai dit. Parce que là en fait j'avais déjà filmé puis on m'a appelé sur Skype, donc j'ai dû recommencer. Donc je disais, excusez-moi de ces 3 semaines d'absence, c'était les 3 semaines, 3 dernières semaines avant les vacances de Noël, et du coup bah forcément énormément de travail. Mais maintenant que cela est derrière moi, je vais pouvoir refaire des vidéos durant ces vacances et me rattraper tout simplement. Car je viens de vous le dire, j'avais énormément de travail les 3 dernières semaines, ils nous ont mis tous les contrôles etc, donc forcément c'est pas simple de viser, hein, bordel. Bon allez, c'est des faibles, ce sont les faibles qui prennent les échelles, voilà, ça c'est dit. Bon, alors, en 2 secondes, juste, déjà, je vais commencer là, avec une potion rouge, je vais prendre tout ça, voilà. Oh, bien, ouais. Bien fini. Voilà, c'est bon. Alors, le son que vous entendez derrière, le etc, c'est tout simplement mon ordinateur. Et oui, ce n'est pas à cause de mon ordinateur, c'est à cause du jeu. Vas-y, te tue. Vas-y, donne-moi des carreaux. Je vais prendre le coffre qui est là-bas. Hop. Hop, chier. Je peux pas, si, carrément. Hop. On va remonter, vous savez quoi. On va faire la même. Si l'autre regarde aussi de l'autre côté, ce sera parfait. Ce qui est tout à fait possible. Ce qui est tout à fait plausible. Oh putain. Oh, ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas une limite de flèche, comme moi une limite de carreau. Ce serait pas mal. Je sais pas si on peut le faire tirer dans les bidons. Je propose qu'on aille voir là-bas. Il y a des gens. Oh, il y a des gens carrément. Pas du tout, je te fais cramer en fait. Je vais faire ça. On peut rentrer par là aussi. C'est vrai que ça nous emmène nous. Alors, je crois que je ne suis jamais allé là. Genre, on peut passer par là aussi. On peut aussi passer par le puits. Ah ouais, mais genre c'est une porte ouverte en fait. On passe par où on veut. D'accord. Et donc on peut accéder que ici par contre. Là c'est comme autant de tasques où donc en fait tout est ouvert, quoi. On peut passer par les toits, on peut passer où on veut clairement. Hop,
ça va, ça c'est fait. Hop, on va abaisser ce pont. Alors, il faut savoir qu'on peut tuer les gardes qui sont, vous voyez le garde là-haut qui passe, qui fait une ronde, etc. Eh bien, on peut le tuer, et il nous donne pas mal de carreaux d'arbalète. Mais personnellement, je ne trouve clairement pas ça très rentable parce qu'en fait, c'est long de le viser, etc. Et pourquoi je trouve pas ça rentable? Parce qu'on utilise plus de potions, et clairement, et les potions, c'est oula, c'est bordel. On doit tout péter. On s'en doutait un petit peu. Oula, oula. On voit les gardes qui sont, elles sont pressées d'aller chercher les armes, mais qui n'ont pas eu le temps. Ouais, bon. Je le garde pour plus tard, si vous. Hop. Parce que bon, on peut utiliser une jaune pour le peu de... Oula. On va peut-être sauvegarder, ça peut être pas mal. On va voir déjà combien de temps ça fait. Bon, 6 minutes. Voilà. Je suis pas quand même un connard, je vais pas vous laisser ça. Je ne vais pas vous laisser là, comme ça. Oh, attends. Ils ont invoqué des conneries. Donc. Vas-y, tombe. Cochonnerie, là. Donc. Ah d'accord, il y a un mec. Genre grosse défense, tu sais. Ah non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Et c'est qu'ils sont violents. Hein. Aïe! Tiens. Je vais te tuer. Que tu meurs. Ensuite. Ah non, c'est pas la clé des cachots, excusez-moi. C'est la clé des oubliettes. Même chose. Oula. En fait, je suis dieu, j'ai personne qui me frappait quand je fais ça. Alors juste, il y a un truc, genre, bah, regardez là. Alors, je propose qu'on lui pète la gueule. Je me dis, c'est cool, voilà. J'aime pas qu'on me manque de respect, donc on va aller le tuer. Oh, tu tombes. Oh, le chien. Boum, tu dégages. Vermine. Alors, donc... Paf. Normalement... Oh, il n'y a pas le bouton. Oh, il y est pas encore. Oh, c'est un bug, ça. Là, ils font exprès, parce qu'en fait... Ça, on le sait que quand on a fini, mais en fait quand je vais les libérer, je vais passer par un passage secret qui va me mener là, et normalement là il y a le bouton. Et là c'est fait exemple, sinon ce serait cheaté, tu passerais par là et tu te retrouverais direct, tu n'aurais pas à passer toutes les étapes, direct pour aller sauver, etc. Donc ce sera un peu bête, en effet. Ce serait drôle, à mon humble avis. Ah bah du coup oui, il va se promener de manière complètement... D'accord. Mais je comprends pourquoi le... Oh non, putain, mais... Oh, les chiens, ils me font respawn là, quoi. Putain, mais c'est dégueulasse. Putain, je suis nul. Ils font trop mal, ces connards. Oh putain, c'est horrible. Non putain. Laissez. C'est... Putain, mais c'est dégueulasse. Oh là là, c'est horrible. C'est pas ça, mais je vais utiliser combien de potions, hein. Attends, déjà je te congèle.
Hop, voilà. Alors, on va continuer. Arrête. C'est un passage secret, ça. Normalement, on peut passer par là, non? Mais en fait, c'est la chauve-souris de la salopette, en fait. Hop. Tu te calmes de suite. Voilà. Je disais bien qu'il va passer sur cette femme. Alors juste, je vais prendre les clés des cachots si des fois il faille que je les sauve en vitesse. Oh, le bâtard. Oh, il y a des mecs qui vont spawner. Putain, qu'est-ce que je disais. Dégage. Par contre, sans déconner, ce task en 4, c'est clairement pas simple. Hein. C'est clairement pas simple. On va voir combien de temps ça fait. Si on... bah, j'aimerais bien quand même aller jusqu'à la fin de l'épisode au moment où on les sauve, mais bon. Ça fait déjà. Putain, c'est quoi? Bon, ça fait pas si longtemps, non? Bon, ça. Hop. Mais c'est pas très grave si je tombe au pire. Là. Oh non, on meurt pas. Oh non! Plus personne. Personne peut toujours mort. Oh putain, la chauve-souris de la saloperie, quoi. Chauve-souris des connards. Elle est apparue sur ma gueule. Je... normal. Heureusement que je l'attendais. Oh putain. J'ai tué le fantôme. Toi, je prends tes plastiques. Alors attendez, parce que juste avant je vais quand même aller voir. Parce que normalement là... ouais. Ah bah voilà, c'est ouvert. Ah mais d'accord, c'est un tonneau qui se casse en fait celui-là. Oh merde, je peux de mon côté. Bon, d'accord, tant pis. Bon bah tant pis. Ça suffit, les herbes, elles peuvent pas nous donner des potions au moins rouge, quoi. Putain. Vu qu'on utilise tout le temps des potions mauves, là, les herbes ne nous servent à rien. Donc ça nous rend aussi de la magie. Et clairement, on est censé se spammer les sorts, parce que toutes les herbes qu'ils nous donnent... Ah, c'est droit, ça, non? Je dis pas de conneries, ça. D'accord. Genre, le mec, il s'étonne pas, tu sais. Je peux pas lui parler, là. J'arrive, mon roi. Je crois que c'est bien. Peur de dire une connerie, mais je crois bien. Comment... merci, mon brave Hype. Te revoir me réjouir. Je sens mes forces décuplées. Maintenant, le chevalier noir va payer. Mais pour l'instant, il faut vite libérer mon épouse Lisotte et Bobard, notre fidèle chevalier. Ils sont dans les cachots. Vite, Hype. Allons-y.
Je t'en prie. Le mec il y va tout seul. Genre le mec il est trop inconscient. Le mec trop inconscient. Non mais il va tout seul. Et bien sûr, si là je cours, je suis censé le rattraper. Hein. Le mec a disparu. Ah, si, il y avait un garde, mais le mec, regarde, il l'a pas attaqué le roi. Il a vu le roi courir. C'est pas dit. Attends, on l'avait pas emprisonné celui-là. Oh putain, en fait. Non, ça doit être un garde un peu spécial. Ça doit être un garde. Oh, que je tourne. Oh, merci, Hype. Je suis tellement heureuse de te revoir. Je savais que tu reviendrais. Nous avons appris par des espions que Vibe est à la tête de la résistance. Vous êtes un couple formidable. Bon, finissons-en avec ce chevalier noir, qu'on puisse enfin célébrer votre mariage. Genre, pour eux, c'est déjà... Déjà de l'histoire ancienne, le chevalier noir. C'est moi ou... Ah non. Je me disais, est-ce que le gars, le roi attend devant le cachot de son chevalier, d'abord, ou pas devant sa femme. Ah oui, c'est le roi qui est censé faire ça, je crois. Je me suis dit, je suis bugué, merde. Et tout, je vais regarder si un truc de tout. Bon, y a rien. Merci. Enfin, Hype, je te reconnais. C'est bon de te voir à nouveau. Je vais escorter le roi et la reine. Ensuite, avec l'aide de notre roi, je vais reformer l'armée. Le soulèvement peut commencer. Je peux reformer l'armée, genre le mec. Je sais pas si c'est faisable. Bon, quoi. Si, avec le roi en tête. De revenir. Active le levier, Hype. Nous pourrons enfin sortir. Ne t'en fais pas pour moi. Je resterai dans ma forteresse avec Bobard et je formerai une armée. Nous reprendrons le contrôle de ma forteresse où je ne m'appelle plus Tascan. Et toi, Hype? Tu devrais te rendre à ta chambre. L'arbre ultime. Les gardes noirs n'ont jamais réussi à y entrer, c'est très étrange. Si, je suis sûr que c'est important. Et maintenant, quitte ces jours. Comment le mec, il a su que les gardes noirs n'avaient jamais réussi à y entrer alors qu'il était enfermé dans un cachot? Je sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication. Oh, le mec c'est des putains de connards. En fait c'était un piège, j'ai activé une bombe. Genre, vas-y c'est bon, puis ça va péter. Quel con, quel abruti. Mais genre les mecs ils me laissent, tu sais. Ils me laissent crever. En plus t'as eu Bobard, il dit cassez-vous, c'est moi le premier. La Bobard il veut passer devant. Le mec il a aucun respect pour son roi et sa reine. M'en fous, c'est moi d'abord. Vous m'avez pas assez payé. Putain, dégueulasse. Oh là là. Oh, je m'en fous, c'est moi et ma reine, je veux me barrer. Moi d'abord. Bon allez, on se barre de ce trou. Genre là, ils m'ont attendu. Et voilà, et on va se laisser là. Bon, on aura fait déjà toutes les oubliettes, c'est déjà pas mal. Et donc, dites-moi, on va juste regarder ce qu'il y a de si important. On imagine que le roi a dit... Oh oui. Oh oui. Oh carrément. Mais ça, c'est monstrueusement important. Mais c'est... Eux, on sait pas où ils sont passés, là. Oh là là. Énorme pub à Rayman, d'ailleurs, là. Electricus Magicum Dragon. Les gens, les mecs qui font de la pub, tu vois. Ubisoft, ils font de la pub à d'autres jeux en même temps. Oui, acheter Rayman. Et puis là, on sait pas trop. Ah, c'est de... Je sais pas. Ah, et puis sur PlayStation 2. Un autre bouclier. C'est écrit quoi? Ship Bust
Speedbusters. Non, Speedbusters. Speedbusters. C'est le cas. Je suis sûr que tout le monde va dire c'est ça, c'est ça. Je ne connais pas les Speedbusters, excusez-moi. Pardonnerez-vous un jour, je ne sais pas. Je l'espère. Oh! Oh, Go Good! Go Good, mon ami! Mon ami, ta parole demande beaucoup d'énergie. Je ne peux pas te parler longtemps. Pas grave. Ne sois pas surpris. En reconnaissance de mon travail, les dieux m'ont nommé gardien du temps. Pas pour avoir pété la gueule à Barnac. C'est à ce titre que je te parle aujourd'hui. Tant mieux. Barnac prépare un coup bien plus terrifiant que tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Sa tour n'est pas une tour, c'est un immense cadran solaire. Barnac veut l'utiliser pour étendre sa domination à l'éternité. Pour le contrer, Hype, tu dois d'abord retourner dans la cité perdue, à l'époque où elle est accessible. Tu y es attendu. D'accord. Ah, il est bugué. Regardez. Go Good bugué. Oh, le mec. Oh, il a pas de cerveau, en fait. D'accord, il a pas d'yeux non plus. Il reste là. On va rester avec Go Good Buggy pendant toute la partie. Ce serait trop cool. Non, mais je pense que dès que je vais changer de... Et que je vais retourner à la porte de la forteresse, il va partir. Et carrément, 3 potions, c'était plaisir, ça. Je regarde un petit peu la vue, là. Voilà. Ouais, bon. C'est pas fou, hein. J'aurais pu peut-être améliorer un peu la vue, quand même. C'est clairement dégueulasse. Y a rien à voir. Les montagnes... déjà plutôt des flancs, en fait. C'est quand même pas très... C'est même pas des montagnes. Oui, c'est juste des traits. Juste en 2D, là. Excusez-moi. Bon. C'est pas tout ça, mais grâce à... On va se quitter avec Go Good Buggy à côté de nous. Allez. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je dis sur ce, salut à tous. C'était Boris G3. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Dive the Time Quest. Nous allons aller voir ce qu'il y a donc à la cité perdue au temps de Tascan 3. Sur ce, salut à tous. C'était Boris G3.